Ok, de toute façon, dans 40 secondes, c'est fini. Donc, le problème sera. Ah non, on sera plus ensemble, c'est pour ça, si tu voulais voir le casque. Bah. Mais je peux pas quitter si je m'arrête comme ça. Bah si, tu t'arrêtes sur le bord, tu fais échappe. Oui, mais ouais. Pas où je suis. Ah. Oh ah, là tu peux. C'est le mec. Là, je peux parce que je suis en travers dans le troisième partiel. Moi j'ai le numéro 14. Ça veut dire que je suis meilleur que toi, lol. Non, j'ai pas fait de tour. Non mais ça change rien, c'est juste ton niveau par rapport aux autres en fait. Ouais, pendant les essais. Non. Si. Le numéro dans lequel, le numéro de ta voiture okay. T'est attribué, c'est par rapport à ton niveau de performance par rapport à tous les autres, c'est général. C'est ça que je comprends pas. Non, moi je suis pas sûr. Non, pour moi c'est les essais. Hein. Enfin, ouais, c'est le temps de tes essais, ouais. Ah, ou alors oh quand t'es rentré sur le serveur alors. Non, c'est quand tu fais un tour et practice. En fonction de ton chrono, t'as ton numéro. Hein. Ok, mais ah, mais pendant les practices d'avant. Ouais, qu'on vient de faire là juste avant, là, avant les qualifs. C'est bizarre parce que j'ai déjà un numéro en arrivant dans les practices. Bon, oui, t'as un numéro et en fait il est changé en fonction après. Regarde bien, tu verras, il change. Je peux pas changer. Moi j'avais le numéro 7 et c'est devenu 14. Ok. Moi j'ai toujours le 5 depuis tantôt, donc c'est pour ça que. C'est pour ça que moi par exemple qui veut m'approcher de la réalité, la F-Corse, je pourrais jamais l'avoir avec. 51. Le 51 ou 71. Mais j'ai vu que dans les paramètres vous pouvez mettre choisissez votre numéro favori. Ouais, mais c'est que pour les practices. Et pour certaines courses, okay. Avec certaines voitures. Ok, here comes the first time black. Bah, je suis quasiment jamais sûr d'avoir le numéro 17, je veux le numéro 017. C'est la qualif de votre vie. Ah, coupé! C'est la qualif NBA! C'est la qualif NBA! Et là, quand je vous souffle dans la nuque, ça vous dérange? Allez, premier tour foutu! Ah, faites-les bien! J'adore quand vous faites mes. C'est con parce que j'étais bien à l'avance. Ah, pareil, moi. Perte de contrôle x 2? Oui! Sérieux? Parce que t'as fait un tour à ta queue. Donc, ça veut dire que tes deux tours sont niqués? Non. Non. x 2. Juste que j'ai déjà fait un tête à queue dans mon tour de sortie. Ah, ok. Que ce soit x 4 ou x 1000. Ok. x 1000, t'es disqualifié? Pour moi. Mon mauvais. À l'armée, on ne sait pas. Jamais. Complètement débile. Mon poignet est tellement en train de day say day. Une. Putain, une 29. Je me suis énervé là. Plus derrière le mec. Et pourtant, je suis avant-dernier, putain. Oh, je suis parti à côté de Max, de Marc. Ton pote. Pourquoi il y a des antécédents? Bah, c'est ouais. Celui qui l'a poutré à la course d'avant. Ah, bah oui, effectivement, il y a des antécédents. Mec, si le take out sur cette course là aussi, là je retourne mon bureau, je fais ah. Le flip table. Pourquoi t'as de haine? C'est quoi avec Fenir? Pourquoi ce monde? Pour l'instant, mon tour de qualif est un incroyable 1.31.9. Je suis à 1.22.7, mais. Ah, c'est dégueu comme tout. Merci pour cette précision. Oh moi, une 20.8. Oh. Regardez l'autre qui se masturbe. Le premier fait une 19.6.
se touche devant son miroir. J'ai fait mon meilleur chrono, c'est 1:22.386. Nous, le premier, c'est 1:19.6. Oh. 1:22.6. Eh ben, qu'est-ce qui t'arrive? Attends, mon chrono, il est pas pris, c'est quoi c'est dire, hein. Et bon, Michel? T'as coupé. Comme quoi, faut peut-être qu'un tour, mais... Ouais. C'est bon. Putain, 1:22.100. Ah. Ça me met où tout ce business? Ah là, je vois que je suis passé dans une catégorie au-dessus, puisque désormais je reste 15ème. Ah, ça pique. Ouais, chez moi, mais attends, là, attends, chez moi, le 2ème est en 1:21.3. Et le 11ème est en 1:22.3. Donc il y a... Oh la vache. Ah, ah ouais. C'est pas la villageoise. Ah la villageoise. La villageoise. Hey, hey, la villageoise. C'est quel numéro au match? 5. Village moise à tous. Emeric, est-ce que tu nous prends ton plus bel anglais pour nous dire bonne chance à tous? Silence. Good luck, everybody, everybody. Everybody, everybody. Le mec, il a rigolé. Yeah, good luck, guys. Et là, voilà. Et t'as Andy qui arrive derrière qui gâche tout, quoi. Avec cette vieille voix. Yeah, yeah, good luck, guys. I'm looking race, guys. Don't use Bumfra in this race, please. Il y a Lewis Hamilton en live si vous voulez, avec Bottas. Non mais sérieux, Bottas, en jouer, hein. Why not? Ah, y'a des mecs qui sont chauds, et le mec fait « Tentez pas le diable au premier freinage, t'as un mec qui répond « Ouais, on va foutre !» Yes, it's very dangerous. In this time. Dangerous, dangerous. Qu'est-ce qu'il fout chez nous? Hein? Le mec il pète un câble. It's dangerous. Buena suerte a todos, good luck everyone. Les mecs sont en MX5 Cup, ils jouent le championnat du monde de... Mais c'est ça! Good luck, guys, good luck! Et moi, je suis là, je fais, mec, on me bat les quoi. Oh, Brésil ou pas, ouais. Oh, mec, si un Français, t'es mort. First corner is where you can gain most. Make sure you take fully advantage of that! Ah, y'a des mecs qui sont... Y'a des mecs qui sont au taquet, quoi. But you can touch... You can touch, but you can't push. Bon, sinon le décompte, il vient d'Albanie ou quoi, là? Il y a des rupteurs, les mecs, on dirait des jeunes qui vivent dans le fond de ta cité, quoi. Allez, bonne chance. Ouais, en gros, j'ai un tour d'avance sur vous. J'ai tellement ciré, je pourrais être auto-entrepreneur. Allez. Adieu, adieu. Right side. Adieu. Clear. Oh, ça passe! Ah, je te vois, t'es juste devant. Ah, t'étais juste devant. Still there. Je suis en train de. Pull pop. Clear. C'est pareil, ils sont. Ouais, c'est un peu nul, donc ça me fait chier. Qu'est-ce que Donald Trump fait en ce moment? Ouais, bah le peuple du monde, hein, parce que la taxe Trump hein, pour acheter iRacing, elle fait très très mal au derche. Ah, là, c'est déjà des mecs un peu plus de mon niveau. C'est le mec Jean-Michel Modesti, mon nom. Le fond de grille. Non, mais... C'est con, mais... Les mecs sont propres. Il n'y a rien eu, là, au départ. Alors, c'est peut-être à coup de... Parce que c'est la première course, mais... C'est propre, quoi. Je sens que j'ai un peu trop vite ouvert ma bouche. Parce que les changements de ligne dans la ligne droite de retour, oui. Je sais pas si Emeric les voit... Mais c'est... Oh, il va toucher le mur. Oh là là, putain, en pleine ligne droite, tout seul comme un grand, quoi. Alors j'ai pris un... Oh lui, il est trop chaud. J'ai pris un 4 contact x4, alors que c'est un mec qui est parti en tonneau et que je suis passé à travers lui. Ah, le netlog, hein. Je croyais sur... Top P15. Non, oui, mais j'allais dire CSGO. Allez, ça se sort. Ça se sort que c'est toi. Et si vous faites péter la barre de pouce bleu, je ferai du ukulélé. Moi je la joue sage, je joue le rat. Je joue le rating, je ne joue rien d'autre. Non, moi je joue, je digite dans le peloton, on verra bien. Moi je t'ai vu, j'étais derrière toi, mais la Mazda jaune, j'ai dit oh, pourquoi elle me faisait peur, donc j'ai... Il y en a 2-3 qui étaient chauds, mais ça a nettoyé déjà le premier tour. Oh, la Repsol elle est jolie. Il y a des jolis skins, hein. Ah, c'est ça que t'avais, non? Non, j'avais la Castrol. Castrol.
Un glaspi, ça va le faire. Alessandro Binazzini. Maquet. Maquet Weber. Ça fait tellement plaisir que j'ai percé le truc là, ça, pour le PC, pour le PC, c'est beaucoup. Car ride. T'as coup de but, Andy pétait un câble. Ça, ça... ça passe, pépère. C'est le bruit de ma mamie quand elle était contente. C'est toi qui avec les trois gugus, Max? Non, non, je passe au transpondeur en lutte avec Pedrolito. Ok, là-bas, vous, ok. You're in the top 10, clear on the left. Prends devant, c'est du 3 de front, mec. C'est très très chaud. Je pense que la superbe expression tirer les marrons du feu aye. N'a jamais été autant de mise depuis le début de cette série sur IRC. À qui mieux mieux. Oh, ça sort large devant. Attention, retour en piste hasardeux de la part du bolide rose et noir. Non, ne chante pas Jeanne-Mas, Andy. En rose et noir. Rose et noir. Cherchez à changer de tête, c'est la clé. J'ouvrai l'intérieur. Je dépasserai ces bolos qui s'arrêtent en plein milieu. Die on the left, clear. Ah, ce qu'il a coupé lui devant. Et oui, il y a eu des pénalités. Emmerich, t'en es où là? La masse de jaune qui me cassait depuis tout à l'heure là. Zigzag dès que je le double. Crawl. Ah, tu vois, putain, il recommence. Ah ah, t'es niqué, je suis à gauche. Je t'envoie du gravier sur ta voiture. Attaque litière. Pardon. Attends. Non mais ça, si on peut se reconcentrer sur ce qui se passe en piste, c'est très très agréable d'avoir des pilotes qui sont autour de toi et qui sont pas à ton niveau mais dans le même comportement. Ça c'est très agréable. Alors pour ceux qui se demandent, c'est la première course que je vous propose depuis mon passage en classe D. Et c'est la première course que je fais aussi en classe D. Donc je découvre des pilotes qui sont un peu plus sérieux, un peu plus méthodiques. Ça n'empêche pas qu'il peut toujours avoir du contact, hein, ça reste de la classe D. Mais oui, parce qu'il y a un an à la classe B. Oui voilà, on a déjà quand même, j'ai envie de dire, purgé une partie du pu, hein, si je puis dire. C'est pas Marco Cortier qui t'avait poussé, Andy? Marc Cortier. Il est derrière moi. Le frère de Philippe? Ah, bah il y en a deux alors. Parce que... Non, c'est Marc Porti. Ah, j'ai compris Philippe Corti. Moi j'ai Marco Corti derrière moi. Moi je souffre à l'aspi et la voiture bleue derrière moi revient très très fort à chaque fois. Oh, ça zigzag devant, le mec il zigzag, c'est terrible. Alessandro. Alejandro. Je vais tellement avoir envie de lui mettre une douille. Right side. Still there, hold your line. Still there, hold your line. Keep to the left. Clear on the right. Je devrais mettre les gants parce que... Car on your left. Ouais. Clear. Le volant il commence à glisser. Tu tournes les 20-90, le volant est toujours au même endroit. Voilà, c'est ça en plus. Il faille taper un mec à cause de ça. Sweep. Ah bah dis-moi, savonnette. Oh les cons. Good job. Allez, c'est pas mal, on continue d'attaquer. On est pris avec une voiture devant qu'on peut attaquer, mais la voiture bleue derrière est très très forte dans le troisième secteur, beaucoup plus à son aise. On passe de P19 à P14. Voilà, le garçon devant qui a un peu de mal à protéger, on sent que c'est chaud, fort wide, effectivement. Si vous n'êtes pas familier avec l'anglais, fort wide, ça veut dire 4 voitures de large. On m'ouvre la porte, je plonge. Ça me rappelle une copie. Still there. Hold your line. Et il perd 2 positions. Et je crois que je suis le prochain sur la liste. Right side. Clear on the right. Tente de protéger avec la ligne, on va essayer de ne pas se mettre non plus. Trop au milieu. Voiture lente sur la droite. Ok, on passe. Un abandon, on gagne une position. Derrière nous, c'est très très chaud. Il y a beaucoup de candidats pour récupérer notre place. Mais ça se passe.
allez, un petit peu dans le gravier, on les enfume un peu, c'est pas grave. Ah, vous êtes juste devant. Ah, ça, ça veut dire que t'as pris ma poussière. Oui. La numéro 13, je me bagarre avec ma numéro 13, ils roulent super bien. Je crois qu'il y en a un qui joue avec la manette devant moi. Ah, il y a des joueurs à la manette, hein. Oui, c'est possible, il y a des joueurs au clavier aussi. T'es sérieux? Ouais, bien sûr. Ouais, bien sûr. Ça se voit, t'as les roues qui tournent mal. C'est pas forcément le ping, hein. Voilà, ça revient très très fort derrière. Comment ils watch font? Watch out, watch out! Comment ils font pour revenir à cette vitesse-là sur moi, la spi, là? C'est pas ouais, je te vois, c'est toi qui es devant les deux fous furieux. Oh, y'en a un à gauche et un à droite! Ah bah, ok, je te vois. You're in the middle. Three ils sont wide. Pas bien! Ils sont fous! Y'a pas la place! Three wide. Hold your line. Hey, hold your line, t'es marrant, j'aimerais bien t'y voir, Coco! Hold your line. Clear on the right. Two wide. Clear on the left. Il suffisait de freiner 5 mètres plus tard, mais que c'était chaud le garçon sur la droite! Il s'en sort bien. You got about 5 laps of fuel left. Ouais, y'a une moustique sur, sur ma fenêtre. Tâche. Même ça, c'est bien fait, quoi. Tu sais, c'est limite, t'entends pas le. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Mais quand t'as un caillou, t'entends le. Ça, ouais. Oui. Mais c'est des petits cailloux dans les jeux vidéo. Premier jeu où j'avais vu ça de mémoire, c'était Ray 07 qui mettait les morceaux de. Les coups de cailloux dans le pare-brise. Blue flag, blue flag. Oh, j'ai tellement chaud aux fesses. Je te vois, t'es devant, je suis le dernier du groupe. Ah, mais le peloton, je prends cher. Je laisse passer parce que ça sert à rien de résister, ils ont trop de vitesse. Still there, hold your line. Clear on the left. Ils vont taper les trois derrière toi, c'est sûr. Et zigzag, je sais pas ce qu'il fait le mec. J'ai dû soulager le gars devant moi. Car right. Clear. Oh, ça c'était right. Beau ça. Ça c'était beau. Attention Emric, il y a gros crash devant. On the right. You got a slow car on the right. Et bien évidemment. Il reste devant moi. Ah, il a failli s'écarter pour me laisser passer. Ça, je ne sais pas si c'était volontaire, mais c'est pas mal. On peut encore essayer d'aller gagner une position avant la fin de la course, puisque lui, il a dû taper. La voiture est abîmée en aéro. Faut bien ressortir dans le banking. Et on peut peut-être en profiter. Là, on était un peu lent, c'est pas grave. On tire sur la boîte. Allez. Il n'y a personne derrière pour nous embêter. On est pour l'instant, je crois, 8ème. Putain, y'a un mec qui me rentre dedans au moment où je suis arrêté, je prends 4 de dégâts encore. Je suis disqualifié! Mais non! Le sel. Allez, avec le dernier virage, à l'aspiration peut-être sur la voiture aux couleurs du pétrolier espagnol, va-t-on aller chercher? Comme on l'a fait la dernière fois sur la ligne You are stupid non. Man, you are stupid. You got a slow car on the you right. You are stupid. Putain, comment je vais. What the f***, that's all break. Alright, there's the ticket flag. Trop vénère. Great job, je t'ai mis juste derrière toi, Max. Enfin, juste derrière toi. 2, 3, 4 voitures derrière toi. Je passe de P19 à P11. GG. En dernier dernier tour. Non, j'ai tout, un par un, je les ai remontés. Ah, moi j'ai eu très très chaud à un moment donné. Alors pour ceux qui se posent la question de mais Maxou, pourquoi tu continues? Faut savoir que si vous avez regardé la toute première vidéo, je cartonne la voiture après l'arrivée. Et même ça influe sur notre cote de sécurité, le high rating, notre comportement. Donc généralement je vais quasiment jusqu'à l'entrée de l'Oval où derrière je vois qu'il y a personne et j'ai le temps là en fait de m'arrêter en piste. Et petit gant, hop là. Et de faire le petit échappe qui va bien pour éviter les soucis. Et bien voilà, on va conclure cette première course faite en classe D avec une Mazda qui a donc de nouvelles couleurs. On est bien remonté, on termine du coup quoi 6ème, 1, 2, 3, on termine 7ème voilà, de cette épreuve.
On partait 11e, donc c'est plutôt une course réussie, je trouve. Il y a eu pas mal d'actions et de bagarres. J'espère que ça vous aura plu. On se retrouve très vite pour une nouvelle course en ligne, ou en tout cas la suite de l'aventure iRacing. Ça se répète un petit peu évidemment dans les courses, mais on n'a pas trop le choix parce qu'on n'a pas beaucoup de possibilités. On est en pleine période de 24 heures du Mans à l'heure où on tourne cette vidéo. Et surtout, eh bien, il n'y a pas beaucoup de serveurs et de variétés si on veut continuer de faire du road course. Voilà, merci à toutes et à tous. On se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, bon amusement en piste. Salut! Salut!